What's up, Serge Kouchouma, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va faire une séance pec épaule avec un peu de hit. Et ce qui est bien, c'est que je suis seul dans cette salle, donc on pourra vraiment se la donner. 3, 4. Ah, j'ai vraiment pas hâte de la suite. 1, 2, 4, 5, 5, 6. Notre but, c'est d'avancer, c'est de progresser, c'est de devenir meilleur. Ça, c'est important. Allez! Là, on a tout préparé, j'ai besoin de ça, c'est très important. Mes lunettes de super-héros, les lunettes de science hybride, c'est important. J'ai la Clearway édition Black Panther qui m'accompagne, je ne sais plus c'est quel goût, mais je sais que c'est bon. J'ai pré-workout d'origine que je vais boire. Et j'ai un peu d'eau qui m'accompagne dans la séance. Parce que tu vois, la Clearway, elle est sucrée et moi, elle me donne soif. Donc, il me faut toujours un peu d'eau. C'est important. Et comme je t'ai dit, on est tout seul ici. On est tout seul, donc on pourra vraiment faire les choses bien. C'est important. On va s'échauffer. Premier exercice, élévation latérale. J'ai pris 5 kilos. On va balancer 30 reps. Là, on est vraiment dans l'échauffement. Histoire de bien chauffer mes épaules et aussi préparer mes pecs au combat. Parce que comme mes épaules ne sont pas chauffées, j'arrive pas à bien faire les pecs. C'est parti, 30 reps. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Juste de serrer, c'est largement suffisant pour la chauffe. Là, on va faire pareil, mais avec du développé couché, léger, 30 répétitions, histoire de bien nous préparer au combat parce que c'est important. Là, on va faire les choses bien, là. On va faire les choses bien. C'est important. Pareil avec le développé couché, j'ai pris 15 kilos. On va se faire 30 reps. Tranquillement, histoire de bien se réveiller. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Et là, une rep suffit. Et on rentre dans le programme. Premier exercice, développé couché standard aux haltères. 4 fois 12 répétitions. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait les pecs. Donc là, je vais prendre 30 kilos. 30 kilos, on va faire ça bien. On va essayer de se faire mal. Mettre de l'intensité. Et puis, si ça va au niveau des charges, on va monter. Parce que là, ça doit faire combien de temps? Ça doit faire peut-être 2 semaines. 2 semaines que j'ai pas fait de la muscu en mode lourd. Je fais vraiment un entraînement, enfin des entraînements dehors où je cours. Je fais des pompes, je fais du poids de corps. À la salle, je fais des full body. Je mets pas forcément lourd, enfin je mets moins lourd qu'avant. Donc, remettre des charges, c'est compliqué, tu vois. Mais on va faire les choses bien, on va se la donner. Et on commence avec 30 kilos. Pour mon développé couché, j'aime bien incliner légèrement les haltères vers l'intérieur pour un meilleur ressenti au niveau des pecs. C'est important. Je suis pas parallèle. Allez, 12 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez. 8, 9, 10, 11, 12. Ok, on va monter. Ouh. Je pense que le pré-workout aussi, là, ça c'est bien. Là, j'ai pris 40 kilos, mais ce qui est bien, c'est que le pré-workout, il m'a mis dans un bon mood, dans un mood de travail. Donc, je peux mettre beaucoup plus lourd. Donc, 40 kilos, on va assumer 12 répétitions. Mon temps de repos, il est d'environ 1 minute 30. À 2 minutes de repos,
parce que j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, donc je peux prendre un temps de repos relativement court avec les charges. On va essayer de pas trop se cramer pour ce début de séance pour bien tenir à la fin, parce que après on a des trucs de fou, mais pour l'instant on est bien. On est bien, on fait les choses bien, on assume. Oh. Ces poids-là, ils sont lourds. Ils sont super lourds. Sachant que j'ai toujours eu l'habitude de pousser les 20, 25 de ces poids-là, cette marque-là, là. Mais au-dessus de 30, non. Allez, fais ça bien. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, allez, onze, douze, ok, c'est le bon poids, c'est le bon poids, c'est lourd, super lourd. Mais ça fait du bien. 2, 3, comment? 4, allez. 5, ouais. 6, ouais. 7, comment? 8, allez. 9, ouais. 10, comment? 11, last one, last. Ok, 12, ouais. Oh. Exercice suivant, développé incliné aux haltères. J'ai incliné à 15 degrés. J'ai repris les haltères de 30 parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait les pecs, mais encore plus bosser à l'incliné. Avant, j'étais super fort à l'incliné pour les anciens qui suivent ma chaîne. Avant, je passais les 60 séries 10 inclinés tranquille. Là, maintenant, j'ai trop perdu. J'ai trop perdu à incliner. Donc, tranquille, on va envoyer 12 reps. On va voir si c'est pas trop lourd. Et puis, voilà. Hein. Juste pour info, l'incliné, c'est pas plus dur que le normal. C'est juste une question d'habitude. Moi, j'étais beaucoup plus à l'aise à l'incliné que le normal parce que c'est que de l'incliné de base. Et là, maintenant, bah, je suis plus à l'aise au normal parce que j'ai abandonné l'incliné. Concrètement. Mais là, on va faire les choses bien. On va reprendre l'incliné. C'est parti. Tranquille, normalement ça passe. Envoie. Envoie. C'est pas lourd normalement, c'est pas lourd. Ouh. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez. Six. Sept. Huit. Neuf. Ouais. Dix. Onze. Oh, 12, ok. Oh, il reste à 30. 30, c'est parfait pour cet exo-là. Chaque exercice, chaque série doit être fait avec le maximum de ce que tu peux donner. Le maximum, peu importe la charge, peu importe ta fatigue, peu importe la douleur que tu as, il fait chaud, c'est désagréable. Tu dois faire les choses bien, c'est important. C'est vraiment important. Sans ça, tu vas pas évoluer, sans ça, tu vas stagner, tu vas rester au même niveau et c'est pas notre but. Notre but c'est d'avancer, c'est de progresser, c'est de devenir meilleur. Ça c'est important. Allez, deuxième. Je suis dedans. Hey. 12. 12. Hey. 2. 3. 4. Comment? 5. 6. 7. Allez. 8. Ouais. 9, ouais. 10, ouais. 11, ouais. Ok, 12. Ouais. C'est bien, c'est bien. Franchement, en ce moment, je suis tellement concentré à te faire des contenus, à te faire des vidéos de qualité, que le fait de m'entraîner comme ça me fait tellement du bien, ça fait tellement longtemps. Comme tu le sais, j'ai pris 2 semaines pour te préparer 30 vidéos. Sur ma chaîne YouTube secondaire, 30 programmes complets gratuits. C'était pas des vrais entraînements, mais là, le fait de remettre des charges, remettre lourd, crier dans mes séances, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Le fait de m'encourager, ça me fait du bien. Et c'est que le début, c'est pas fini.
Le pré-workout, il m'aide beaucoup parce que, encore une fois, j'en prends pas souvent, mais quand j'en prends, ça me fait du bien. Et ça, c'est un conseil. Quand tu prends un pré-workout, prends-le pas tout le temps. Prends-le vraiment quand tu te sens fatigué. Prends-le vraiment quand tu te sens faible. Prends-le vraiment quand tu fais un groupe musculaire où t'es pas à l'aise. C'est dur. Ou alors un groupe musculaire que t'aimes, mais tu sens que tu as envie d'envoyer un peu plus que d'habitude. Prends pas ton pré-workout tout le temps parce que le problème, c'est que tu vas plus sentir les effets. Après, tu vas me dire, oui, dame, voilà, je sens pas les effets. Tu as augmenté les doses et c'est pas bon. Ok? C'est pas bon. Clairement. Avant, je le faisais, mais c'est pas bon. Respecte les doses de ton pré-workout. C'est important, vraiment. Allez. Deux. Cinq. Six. Comment? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, très bien. Yes. Exercice suivant, je vais faire du visa vers la poulie avec un banc. Hop, je vais prendre les poulies. Je vais me caler comme ça. Et je vais envoyer tranquillement. On va envoyer 15 reps. Alors, j'aime pas trop te montrer ces exos-là parce que je sais que tu vas me dire, oui, dame, je peux pas le faire, j'ai pas cette machine à la salle. C'est vrai, je te montre très peu de vis-à-vis et je pense que sur l'ensemble de mes vidéos YouTube, je t'ai pas montré beaucoup de vis-à-vis. Tout simplement que en salle de sport, il y a trop de gens dessus. C'est pas indispensable, ça fait du bien, tu travailles très bien au vis-à-vis, mais il y a des gens, ils font les triceps dessus, ils font le dos dessus, ils font les abdos dessus et du coup, c'est très très dur à utiliser. Mais si tu es dans une salle où tu peux utiliser un vis-à-vis, je te conseille vivement cet exercice. Tu prends un banc, tu l'inclines presque au maximum. Je ne sais pas on est à combien de degrés honnêtement. Tu mets ton buste dessus, tu laisses dépasser tes pecs. Hop. Et tu ramènes. Et là, tu as une sensation vraiment incroyable. J'ai mis 10 kilos de chaque. C'est pas beaucoup, j'ai peut-être augmenté après. L'idée, c'est vraiment de bien sentir ses pecs. Allez. Une. Allez, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, très bien. Oh. Là, on va augmenter la difficulté là. On va faire des blocages de secondes. Et on sera bien. Ouais. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 2, 7. 1, 2, 8. On va faire du développé militaire aux haltères. J'ai pris 20 kilos par bras. Développé militaire, c'est un mouvement où parfois ça va, parfois j'ai un peu de douleur à l'épaule. Donc je vais voir comment je me sens. C'est un mouvement que je préfère à la barre qu'aux haltères, bizarrement. Je vais voir comment je me sens avec les 20. 4 fois 10 reps, c'est parti. Ouh. 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 7, 8, 9, 10, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. 9. 10. Ok. Oh. Oh. Je pense que là, je vais trop faire des petites vidéos capsules pour bien développer ses pecs, ses biceps, ses épaules, avec des astuces de tempo et d'exercice, parce que j'ai gagné en expérience. Du coup, j'ai des nouvelles méthodes d'entraînement. Je sais que j'ai déjà fait ça beaucoup de fois sur ma chaîne, mais j'évolue tous les jours en musculation, j'apprends de nouvelles choses, j'apprends à découvrir mon corps à chaque séance et j'ai des nouvelles choses à transmettre et je vais te les transmettre et je pense que tu vas vraiment kiffer. Ça va être bien. Ah, j'ai vraiment pas hâte de la suite, on a de l'assaut bike, on a des mouvements cardio, ça va faire mal. C'est là où la séance va commencer parce qu'en muscu ça va, je suis à l'aise, je suis bien. Dès qu'on va arriver dans la partie cross, là c'est terminé, on va mourir. Allez, come on, hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, 10. Parfait. Assault bike, aka la machine de la mort, aka la machine qui a été créée par quelqu'un qui n'aime pas les humains, vraiment. On va se faire 4 tours, entre 15 et 30 secondes. On va essayer de donner un maximum d'explosivité au début et essayer de tenir cette explosivité. Okay, on ne va pas se concentrer sur le temps, juste sur l'explosivité et l'effort qu'on peut donner. L'idée, c'est d'être le plus explosif possible. C'est important. Là, je ne te cache pas, je vais mettre un bon son musique à fond sur l'enceinte et je vais me la donner parce que là, je peux pas faire ça avec une musique douce ou un son de fond. Non, je suis obligé d'être dans ma bulle parce que là, c'est vraiment dur. Tout ce que tu peux envoyer, t'envoie. Tout ce que tu peux envoyer, t'envoie. Come on. Hey, let's go. Let's go. Yeah, you've been dancing with the devil. Be careful who you gunning for, cause when it settles, it's only pain and grief when you living lawless. We only chase it if the chance of profit's flawless. We keep our eyes on the weak, they know that they targets. Hunting for goodwill, we ain't looking for bargains. And you should say a prayer, ain't nobody praying for you. Cause if I want it, then it's mine, that's what I'm saying to you. If you faint hearted, you better leave. You try and cross me, then you dead to me. Cause I'm in the business of making enemies. And there's a good chance that you may never leave. You feeling comfortable, you should never be. Cause I'm bringing pain if we should ever meet. Tonight you should really find a lifeline. Outlaws come alive in the nighttime. Oh, j'ai envie de vomir. J'ai déjà envie de vomir. Oh, c'est trop. Cette machine, c'est trop. Je déteste cette machine. Je la déteste. Vraiment. Mais je continue à la faire. Faut continuer. Oh, ça fait mal. L'assaut bike, vraiment, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Je sais que c'est un exo, c'est une machine que je continue à faire longtemps, pendant ma préparation, pendant les vacances, mais ça fait vraiment mal. J'ai bien mangé le matin, mais j'ai eu le temps de digérer, mais j'ai l'impression que tout ce que j'ai mangé là, ça veut ressortir, clairement. Mais le plus important, c'est que j'ai validé. Vraiment. Faire les abdos alors que tu as envie de vomir, franchement, c'est une mauvaise idée. Vraiment, mais j'ai envie de les faire quand même. J'ai envie d'assumer. On va faire des crunchs normales, 10 répétitions, tranquille, et voir comment on se sent. L'envie de vomir ne doit pas me gêner dans ma séance. Allez. 1, 2, 3, 4, allez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Oh. Oh. J'ai mis des poids pour mes pieds. Parce que j'ai pas encore le gainage nécessaire pour faire des bons crunchs pieds au sol, mes pieds décollent. Donc, si t'as des haltères ou alors un dessous de table ou en dessous de ton lit, tu peux faire tes abdos comme ça. C'est bien. Je prends un petit haltère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Oh. Ça fait mal. C'est vraiment mal. Mais ça qui est bon,
2, 3, allez, comment? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continue. 11 jusqu'à 15, 12, 13, 14, 15. On va se finir avec un peu de pompe tranquillement. Oh, je vais faire peut-être 15 ou un rep. Et après c'est bon. On rentre à la maison. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, ça fait du bien. Bizarrement, les pompes, ça me donne pas mal au ventre. Oh, cette séance est terminée. J'espère que t'as pu kiffer le mood, kiffer un peu le style, le concept. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire, c'est important. J'ai vraiment souffert par contre. Je pensais pas souffrir autant. Parce que je fais une petite séance. Hein. C'est la soba qui m'a tué. Abonne-toi. Si c'est pas fait, sur MyProtein, t'as le code d'âme si tu veux te fournir en complément, en vêtements, fais-toi plaisir. C'est important. En plus, c'est les soldes là. Alors, je fais cette vidéo. Et puis voilà. Moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.